Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Disney Dreamlight Valley. Et on s'était laissé, il fallait qu'on aille parler à Picsou parce qu'on venait de refaire le stand et à lui aussi. Oh là là, trop de gens. Bonjour Picsou. Salut Tachno, voisin. Bien joué Nash, maintenant que Dingo a repris son commerce, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Dans ce cas, quand tu voudras investir pour ma grande réouverture, va chercher mon panneau juste à côté du magasin général de Picsou. Au revoir. Ça va me coûter combien ? Tes bêtises. Prêt à investir, dès que j'ouvrirai le magasin, il y aura toutes sortes de meubles et de vêtements à acheter. Tu peux me faire confiance ou je ne m'appelle plus Picsou. 1000 balles ? Eh ben 1000 balles. Enfin, la grande ouverture. Bonjour. Nom d'une cornemuse, les affaires reprennent. Maintenant, il ne me manque plus que les clients. Oh, et un bon investissement mérite un bon retour. Ces pièces sont pour toi, utilise-les pour obtenir tout ce que tu souhaites. 400. Je me sens floué. Entre donc, jette un œil, Nash. Si tu ne trouves rien à ton goût, viens en discuter avec moi dans mon magasin pour utiliser le système de livraison breveté. Je te remercie. Acheter quelque chose dans le magasin de Picsou. Ah, le service à thé de la Belle et la Bête. Ah oui, oui, on voit que c'est le magasin de Picsou. Oh, un petit trône. Ce serait parfait. On a quoi là? Une borne d'arcade. Une table Ursula. Oh, un ordinateur. Un bateau. Oh, petit bateau, j'adore ça. Bonjour. Oui, j'achète. Un peu cher, mais j'achète. C'est quoi ça? C'est pour faire du craft. Ok, on a trouvé pour le craft. Et on avait des vêtements. Oh, un petit chapeau de pirate. Bon, je vais m'arrêter sinon j'ai déjà claqué tout le pognon. Excellent investissement, Nash. Tu ne le regretteras pas. Reviens régulièrement jeter un coup d'œil à mon stock et je reçois de nouvelles choses tous les jours. Tu as le sens des affaires. Évidemment, après tout, je sais faire le bonheur de mes clients. Je suis Balthazar Picsou. Ah, je suis passé niveau 2. Énergie maximum augmentée. Agrandis ta réserve d'énergie. Renforce tes amitiés. Nouveau niveau. Gagne de l'expérience. Ton énergie maximale augmente. Ok, grande réouverture, qu'est-ce que commencer? Je suis content de te voir. Et toi, non, ça n'a pas marché. Oh! T'inquiète, hein, Picsou. Je pille un peu ton magasin. Tout va bien. Ah, j'achèterais bien l'ordi aussi. Ah, il y a un étage. On pourra peut-être débloquer un étage. T'as une minute à m'accorder? Bonjour. Hé hé! Que dirais-tu d'une petite conversation? Salutations, voisin. Nash, je viens de jeter un œil à mes bénéfices trimestriels. C'est un désastre, je suis ruiné. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va un peu de travers en ce moment. Le magasin est ouvert, mais je n'ai aucun client. Je n'agis pas rapidement. Si je n'agis pas rapidement, ma fortune sera perdue. Ça, j'en doute. Que te faut-il? D'abord, il faut montrer aux villageois de Dreamlight Valley que Picsou est prêt à travailler. Je pourrais faire de la pub. Ce serait formidable, je pourrais le faire moi-même, mais quand les gens entendent le nom de Balthazar Picsou, ils l'associent à pilier de la communauté. Je ne peux pas apparaître publiquement dans le village affublé de je ne sais quel panneau publicitaire. De plus, c'est là que tu entres en jeu. Crée une tenue à porter dans le village pour promouvoir mon magasin. Super. Je te remercie. Super, je vais devoir vraiment porter ce t-shirt là, on est sûr. Petite boucle d'oreille. Un collier en or.
Ah, on commence à débloquer 2-3 trucs. Hein. Une robe sans bretelle à décolleté en cœur bleu givré. C'est spécifique. Et une chemise boutonnée. Ok, bon, il faut que j'aille porter un t-shirt, moi. On n'a pas le choix. Bonne journée à toi. Ah, je vois que tu portes le t-shirt. Ça te... va ravir, comme d'habitude. Pour sûr, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur modèle. Qu'est-ce que tu fais là? J'en sais déjà assez sur mon magasin, va te promener dans le village. Et pendant que tu y seras, pourrais-tu ramasser du bois tendre et revenir me voir ici? Il faut qu'on fabrique des panneaux. Au revoir, à bientôt. Ah, j'ai du bois déjà. Parfait, maintenant que tu as récupéré du bois, fabriquons les panneaux. Tu peux utiliser ma station d'artisanat dans le magasin. J'aimerais que tu fabriques quelques panneaux et que tu les installes dans la vallée pour que les autres sachent où trouver mon magasin. Je te remercie. Bricolage, interagir avec la station d'artisanat pour commencer, sélectionne une recette, blablabla, classique. Panneau, magasin de Picsou. Génial! Quelle belle matinée! Je dois en faire combien? On va mettre 3. Il en fallait 4. Ok, placer les panneaux dans le village. Alors, meubles. Catégorie requête. Panneau. Ah, on a une super... pivoter la caméra, RT. Ah, voilà, on a une super vue de construction. Si c'est pas merveilleux. Ouais, je vais peut-être pas mettre ça là. Quoique si, là, avant de rentrer, on peut mettre ça là. On en met un là. Pareil, on pourrait en mettre un là. On met un là, genre si on le tourne, comment je... Voilà. Là. Puis... On peut en mettre un en bas, là. Genre là. Peut-être plus au croisement, là. Puis on le met où le dernier? On va le mettre par là. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Que dirais-tu d'une petite conversation? Non, mais je veux pas acheter la table d'Ursula. Voilà. Oui, ça fonctionne. Notre huile en labeur porte ses fruits. Le magasin a été bondé toute la journée. On fait une bonne équipe, tu sais. C'était un plaisir. Eh bien, si tu continues comme ça, un jour, tu pourrais avoir une fortune presque aussi grande que la mienne. Voici un petit quelque chose à accrocher dans ta maison en récompense de ton investissement dans mon magasin. Un panneau Picsou. Maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Apportons un petit quelque chose à la devanture du magasin, juste assez pour dire « nous avons tout ce qu'il vous faut ». Plutôt modeste, pas vrai? Mais peut-être que c'est juste ce qu'il faut. Trop d'extravagance pourrait faire fuir les gens. Pourquoi n'irais-tu pas cueillir des fleurs et créer un pot de fleurs pour décorer la devanture du magasin? Voici des pots dans lesquels tu devrais mettre les fleurs. Au revoir. Nouvelle recette. Super, j'ai vendu toutes mes fleurs. Bon, va falloir retrouver des fleurs du coup. Tu veux une pomme? Tu veux des framboises peut-être?
commencer à tout ramasser. Ah, j'aurais dû me crafter un coffre. Clairement, j'aurais dû crafter un petit coffre. Comme ça, je me posais un coffre là et j'étais bien. Faudrait peut-être que je parle à Merlin un jour. Ah, j'ai déjà 900 points. Hop. J'ai pas cassé là. Raté. Je pense que c'est ça la recette qu'on cherchait. C'était l'endroit où il y avait une pelle sur la photo de Mickey. J'ai pas du tout les bonnes fleurs. Ça part bien. Pour récolter. Hein. Peut-être que je regarde si c'était la recette qu'il fallait à Mickey, cela dit. Oui, c'était la recette de Mickey. Oh là là, nous avons réussi, nous avons trouvé la pelle et la recette de... La salade de fruits. Oh, hé hé. Tout ça pour une salade de fruits. C'est un peu comme une sorte de salade de fruits magique ou quelque c'est un peu comme une sorte de salade de fruits magique ou quelque chose comme ça. Eh bien, toutes les recettes de Rémi ont un goût magique, même les plus simples. Et je parie que si tu continues de chercher, tu trouveras des recettes un peu plus stimulantes. Je sais que Rémi te confierait ses recettes et je parie que tu aimerais les cuisiner. Si je trouvais davantage de recettes de Rémi, peut-être que je pourrais les partager avec mes amis. Oui, la seule chose meilleure qu'un délicieux repas est un délicieux repas partagé avec un ami. Maintenant, avant que tu ne commences à collectionner d'autres recettes, nous devons d'abord cuisiner celle-ci. Nous devrons d'abord récupérer les ingrédients. Je vais voir ce que j'ai dans mon jardin. Retrouve-moi là-bas lorsque tu voudras préparer la salade de fruits. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dégusté une recette de Rémi, j'ai trop hâte d'y goûter. Oh, et voici une salopette, si tu souhaites porter quelque chose d'approprié pour ce qui va suivre, le jardinage. Non. Non, je souhaite pas, non. Mince, Nash, il ne reste pas grand-chose de mon jardin. C'est le bazar. C'est sûr. Minnie ne serait certainement pas contente de voir cet endroit dans cet état. Elle aime les jardins. Bien, plus vite nous préparons cette recette, plus vite nous ferons de Dreamlight un endroit dont elle sera de nouveau fière. Bon, la recette dit de préparer de la salade de fruits. Nous avons besoin de fruits comme des pommes. Je parie que tu peux en trouver dans le village. Oh, et tu sais ce qui serait bon avec une salade de fruits? Des crackers. Tu veux cuisiner des crackers et de la salade de fruits? C'est tellement... adorable, tu es drôle Mickey. Oh là là, merci. Mais pour te dire la vérité, la véritable raison pour laquelle je veux préparer des crackers, c'est parce que c'est Minnie qui avait l'habitude de le faire. J'imagine que je souhaiterais simplement qu'elle soit ici maintenant pour les préparer. Mickey, est-ce que tout va bien? Moi? Oh, je vais bien. Minnie me manque, mais ça aide que tu sois là maintenant. Bon, les crackers de Minnie sont super faciles à préparer, il faut que du blé pour les faire, voici la recette. Voilà, j'allais oublier. Nous devons d'abord jardiner avant de commencer à cuisiner. Si on veut du blé, il faut le semer. Voici des graines que nous pouvons utiliser. Ce sera super... Pardon, j'ai failli éternuer. Ce sera super de remplacer ces vilaines épines nocturnes par de jolies plantes. On se revoit vite. Jardiner dans la vallée. Obtiens des graines pour la cueillette ou par des échanges sur le stand de Dingo. Ça, on sait faire. Creuse un trou, plante la graine. Oui, mais on a déjà compris. Alors, creuse un trou et sème du blé. Ici. Bon, si tu veux, on va préparer le terrain. Hein. J'ai rebouché. On a
Mickey qui fait des trucs bizarres avec Crocodile. Je suis content de te voir. Et je voulais pas te parler, tu vois bien que je suis en train de jardiner, Mickey. Hop là, il faut que j'apprenne les recettes. Bien évidemment, on les connaissait déjà. Salut mon ami. Super, à présent il faut les arroser avant que tout se dessèche. Minnie me disait toujours de faire attention aux feuilles des plantes. Elles te diront quand il faudra les arroser. Quelle joie de voir que tu as trouvé l'arrosoir royal. Ce sera très utile pour jardiner. Vas-y, essaye, Nash. C'est fait. Merci, mon ami. Ah. Oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu, il meurt, là? Et on se retrouve et bah, après avoir dû redémarrer le PC. Parce que vous l'avez vu, le jeu il voulait pas. J'ai essayé de redémarrer le jeu, ça voulait toujours pas. Peut-être qu'il y avait un petit problème avec OBS. En même temps, ça peut arriver, ce genre de choses. Du coup, le blé a poussé et je l'ai récolté. Et j'ai replanté des trucs parce qu'on devait arroser. Hop, voilà. On va mettre ça et on arrose tout ici. Waouh, Nash, tu as vraiment la main verte. Merci, Mickey. Jardiner est si relaxant. Je suis d'accord, il n'y a rien de plus apaisant que de travailler dans mon jardin. Surtout qu'il n'y a plus à s'inquiéter des épines nocturnes. Bien, maintenant que tu sais jardiner, pourquoi ne vas-tu pas chercher quelques ingrédients pour la salade de fruits? Les pommes poussent tout le temps sur les pommiers dans le village. Si tu en as déjà ramassé, tu vas peut-être devoir attendre qu'elles repoussent, mais ne t'inquiète pas, cela ne prend pas longtemps. Et assure-toi de garder un peu de chaque ingrédient pour toujours avoir de quoi cuisiner quelque chose pour tes amis. J'en ai toujours sous la main. C'est formidable, j'avais l'habitude d'essayer de garder des framboises pour faire une tarte pour Minnie. Mais je finis toujours par les manger sur le chemin de la maison. Oh, Mickey. Bien, quand tu auras tous les ingrédients, nous préparerons la salade de fruits chez toi. Oh, et n'oublie pas de récolter le blé que tu as semé. À très bientôt. Va dans ta maison avec Mickey pour commencer à cuisiner. Mais j'ai pas de quoi cuisiner chez moi, Mickey. Tu m'offres ? Après, si tu m'offres de quoi cuisiner... Par ici, je suis content de te voir. Oh là là, je crois qu'il nous manque encore un ingrédient très important, une cuisinière. Il t'en faut une dans ta maison si on veut cuisiner quelque chose. Heureusement pour nous, j'en ai une de plus. Tout le monde a toujours une petite cuisinière en stock dans le placard, bien évidemment. Merci, tu as un exemple de générosité. Eh bien, il y a une chose que tu dois savoir à propos de Dreamlight Valley. Plus tu partages, plus tu reçois. Et voilà. Aménage ton univers, accède au menu meubles, sélectionne les meubles, va voir le magasin, ok. Alors, meubles, cuisinière, le seul meuble propre de ma maison. Ouais, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre. Je vais laisser tout ça. Ah, et je pourrais tout changer. Ouais, mais pour l'instant, on va laisser, on n'a rien. Alors, salade de fruits et crackers. Mais j'ai du blé sur moi. Donc le tuto, ça, c'est bon. On avait déjà compris comment cuisiner. Donc un crackers. Et il veut une salade de fruits. Hop. Oh là là, ça semble délicieux, Nash. Je sais qu'un jour, Rémi reviendra dans Dreamlight Valley, mais en attendant, tu es vraiment un bon chef. Ça me fait plaisir de participer. Je sais que tu vas faire du très bon travail. Il te faut simplement retrouver les recettes de Rémi, mais tu peux aussi inventer les tiennes. Si tu veux, tu peux partager tes plats avec les villageois de la vallée. Je parie qu'ils vont apprécier.
Sapristi, quelle chance de t'avoir! Alors, là on a un nouveau niveau d'amitié avec Mickey, du coup j'imagine. Et on peut débloquer les oreilles de Mickey. Ah oui, on va pouvoir débloquer le lit Mickey. Alors je sais pas si c'est juste le mannequin pour le mettre. Ou si c'est carrément le costume qu'on peut avoir. D'accord. Nouveau rôle débloqué. Sélectionnez un rôle ci-dessous. Ah, Mickey, je peux lui donner un rôle ? Ton compagnon peut trouver plus de culture en récoltant. Ton compagnon peut trouver plus de poissons en pêchant. Bah, Mickey, je pense que t'es bon dans le jardinage. Tu peux venir me voir ? Tellement d'amis. Bâtir l'amitié. Passer du temps ensemble, échanger des cadeaux, discuter quotidiennement, regarde tes amitiés grandir. Partez ensemble pour de nouvelles aventures, débloquer de nouveaux scénarios et des récompenses exclusives. Ah, on va pouvoir vivre des aventures avec les personnages ? Allons faire un tour avec des amis. Choisis des rôles pour tes amis dans le village afin d'obtenir davantage de ressources. Passe du temps avec les villageois, ils t'aideront à accomplir tes missions. Augmente le niveau de tes amitiés et assigne le même rôle à plusieurs villageois pour obtenir un plus gros bonus d'excursion. Je suis content de te voir. Oh là là, c'est vraiment génial que tu sois ici dans le village, Nash. Tout était plutôt effrayant avant ton arrivée. Et certains endroits sont toujours un peu effrayants. J'ai essayé de défendre la vallée sans l'aide de personne, mais ce n'était pas facile. Tu as fait de ton mieux. Merci, je suppose qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Si tout le monde revient, je veux leur offrir une vallée dont ils pourront être vraiment fiers. Tu sais, autrefois, la vallée résonnait de chants d'oiseaux. Pourrait-on les faire revenir ? Je sais, fabriquons un nichoir. Il va nous falloir des fleurs et du bois. À très bientôt ! Alors, faut que je trouve encore des... C'est cool, hein. Pile au moment où j'ai décidé de vendre toutes mes fleurs, j'ai que des quêtes où il faut des fleurs. Bon. Bah, tu peux m'enlever le bandeau de suivre la quête, là ? Merci. Il nous faut des... attendez, pourquoi il commence à... Quoi ? Je suis fou. Je suis fou. Manger les crackers. Faut que je me fasse un coffre. Pourquoi il commence à faire nuit ? Vous avez dit que c'était basé sur l'heure réelle, il est 18h. Il fait pas nuit à 18h. On n'est pas en plein hiver. Un coffre. Soit Mickey, je vais retourner chez moi, je vais poser un coffre ici. Meubles. Tout. On va le poser là pour l'instant. Je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux. Ah, du stockage. J'ai pas besoin de faire à manger tout de suite. Je vais voir ce que j'ai dans le stockage de la maison. Ça, on va pouvoir le mettre dehors. Ça, on va pouvoir le mettre dehors. Voilà. On va avoir un peu de place. Ok, on peut partir récolter. Est-ce que je récolte du caillou en passant ? Ça peut toujours être utile. Surtout qu'on l'a vu, il y a certaines pierres précieuses qu'il faut trouver. Je voulais pas parler à Mickey, pousser Mickey de là. À très bientôt. Quel pot de colle.
faut qu'on trouve des fleurs pour sa quête. Ça, on sait pas à quoi ça sert pour l'instant. Bon, j'ai pas besoin de plus de pierres que ça. Hein. Salut mon ami. Mickey. On se revoit vite. Par contre, ça, oui. Bois, j'en ai besoin de beaucoup. Et en attendant que les fleurs repoussent... Ah, des bananes, c'est vrai qu'il y avait des bananes. En attendant que les fleurs repoussent, je pense que je vais aller faire la quête de Merlin. Peut-être, oh, on pourrait pêcher. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de musée ici aussi? Bon, en tout cas, on se met bien en termes de nourriture, même si je fais pas beaucoup de plats pour l'instant. J'ai vu des fleurs là-bas au fond. Je sais pas quoi ça sert ces trucs là. Ah, ça c'était les marguerites blanches qu'il nous fallait. Il y a toujours ce truc ultra bizarre là. Voilà, il y a de la bulle colorée. On va pêcher. Voilà, c'était raté ça. Bon, ça va, le mini-jeu est simple hein, quand même. Un poisson-chat. C'est bon, je suis dedans. Bon, je l'ai raté. J'étais trop tôt, peut-être. Oula. Il y a une caméra qui est partie. On sait pas où, mais elle est partie. Ok, un poisson différent et un souvenir. Ah oui, il y avait un souvenir que je pouvais obtenir en pêchant. Ouais, enfin, je vais pas pêcher là. Je vais aller vendre mes poissons. J'ai juste pris parce qu'ils avaient une couleur différente. Content de te voir. Salut. Je te vends ça. Ah oui, si je le mange, 1300 de... Ah mais ça se vend super bien. Oh, on est bientôt... Alors, je vais te vendre les bananes. On est bientôt aux 5000, je pense. Je vais te vendre les framboises. Et le grenat. Ouais, mais le grenat, on sait pas encore à quoi ça sert. 4075, on y est presque. Bon, au pire, en attendant que les fleurs reviennent, on pourra faire autre chose. Là, on va miner. Salut. Mickey. À très bientôt. Pousse-toi. Je t'en supplie. Pousse-toi de mon chemin. Ah, ça, des fleurs bleues tombantes.
Il me manque juste une marguerite blanche. Bon, là, je suis un peu en mode récolte pour avoir des trucs à vendre. Oui, si je maintiens. Parfait. Voilà. Ça, on va transférer ça aussi, ça aussi. Ah, là j'ai un grenat et là j'ai eu quoi? Un grenat brillant. Ouais, ça se vendrait bien. À la rigueur, je pourrais vendre des trucs. Bon, écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.